Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, c'est donc un bonus plus une information. Donc pour le bonus, hier, j'ai pris... Enfin, je vous explique vite fait comment j'ai fait ceci. Au début, j'ai pris une feuille de papier canson. J'ai dessiné au début... Enfin, j'ai marqué menthe, j'ai fait comme une forme de feuille. Et j'ai fait, comme vous voyez ici, là, des bouts de bois. Et puis... Et au début c'était tout collé, hein. Après j'ai dessiné des menthes, dessiné des menthes, dessiné des menthes. J'ai repassé au stylo, donc pour toutes. Après je les ai découpées de la feuille, je les ai collées sur une autre feuille et je les ai pliées donc pour qu'elles tiennent en l'air. Mais comme ça ne tenait pas très, désolé, comme ça ne tenait pas très bien, j'ai rajouté des pailles pour chaque menthe derrière. Donc là j'ai mis de la colle. Et tout au long, j'ai mis de la colle. Donc voilà. Donc j'ai fait la Philocrania paradoxa. La Hymenopus coronatus. Ici. Et la Creopotter SP. Ou je sais plus son autre prénom. Je sais plus. Bon, elle est là. Voilà. Donc ça m'a pris à peu près 2 heures. Et au niveau de l'information, c'est que dans mes vidéos, d'accord, il y aura des suivis d'élevage, etc. Parce que normalement, là, normalement, c'est sûr que j'ai mes menthes. Donc, c'est sûr qu'il y aura des suivis d'élevage parce que ça, c'est un peu normal. Mais aussi, il y aura des bonus, comme des fois, il y en a qui font ça. Donc, les bonus, ça peut être une menthe qui mange, des dessins, enfin, voilà. Après, je pense que je vais faire une deuxième chaîne parce que celle-là, ça sera ma chaîne pour les menthes. Et je vais faire une deuxième chaîne de dessin parce que avant, cette chaîne, c'était pour les dessins. Bon, bah sur ce, je vous dis ciao!